Salut tout le monde, c'est Jean-Fils, celui qui mange les haters au petit déjeuner. On se retrouve aujourd'hui sur Minecraft, sur Survie Hardcore épisode 21. Let's do this. Yeah, donc je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup cette série et qui voudraient avoir des épisodes tous les jours. Je voudrais bien, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Voilà, donc je dois avouer que j'ai fait un peu moins de vidéos sur Minecraft ces temps-ci parce que il y a eu la sortie de Black Ops 3, mais... Drogue. Bref, il y a eu la sortie de Black Ops 3 et comme c'est un de mes jeux préférés, bah écoutez, je me fais plaisir, voilà, et je dois avouer que j'ai gagné ces temps-ci, je sais pas pourquoi. Mais je gagne pas mal d'abonnés. En tout cas, je vous remercie ceux qui vous abonnent, ceux qui s'abonnent. Donc voilà. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur Minecraft Hardcore. Do it. Voilà. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va voir s'il n'y a pas un petit défi à faire. Trouver un bien paquet d'ice. Ah, j'ai pas envie de faire ça. On fera un épisode d'exploration un jour, mais pas maintenant. Avoir tout le mot de glaive, une batcane. Bon, avoir les 5 CD différents. On a essayé dans l'épisode précédent. Ça n'a pas très bien fonctionné. C'était assez chiant. Oui, exactement. Faire un meilleur avec tous les bugs de Minecraft. Faire une usine à faire. Ah, il faudrait que je la fasse celle-là. Il faudrait que je la fasse. Bref, aujourd'hui, je me suis dit, vas-y, on va faire quelque chose, Jean-Fils. On va faire. On va faire ici une petite décoration. Ouh, oui. Parce que ici c'est un peu vide, voyez-vous. Ici c'est un peu vraiment vide. J'ai envie que ça soit, comment te dire, chaleureux, tu vois. Un petit jardin, voilà, avec un petit étang et tout. Donc, voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. Un petit étang, un petit jardin zen, on peut dire ça comme ça. Donc voilà. Alors, ce que j'ai fait hors caméra, j'ai pas fait grand chose. Cette fois-ci, j'ai juste fait une petite route là-bas qui mène vers la petite usine à blé. Bien sûr, j'en ferai une qui mène là-bas, etc. Enfin, voilà. Voilà, c'est là. Donc voilà, enfin, on va aller préparer les matériaux. Pour faire ce qu'on veut faire aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous plaira. On va faire ça ensemble. Donc voilà. Donc ça, l'andésite. On fout ça là. Tani. Du gravel là. Bon, les pommes chiches, j'en ai pas encore bouffé une. Ce qui est bon signe. Donc voilà, c'est plutôt bien. D'ailleurs, l'usine à or, ça fait longtemps que j'ai pas été voir ce qu'elle avait récolté. Donc ça c'est... On ira voir un jour. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas été miné, je dois avouer ça. J'ai pas été miné. Ah, ce que j'ai fait aussi, j'ai été miné de l'obsidienne. Ça fait longtemps pour moi. J'ai été miné de l'obsidienne, on pourra la mettre... On pourra justement la mettre dans l'usine comment te dire, l'usine à or, voilà. Comme ça, ça fera plus de spawners et plus de pigmen égale... plus d'or, tout simplement, voilà. Voilà. Alors... Qu'est-ce qu'il me faut? Ah bah il me faut tout simplement du buis. On va prendre quel bois? Genre j'ai plus de bois. Il est là, voilà, c'est celle-là. Celle-là monsieur. Ça qu'il me faut. Oh, j'ai une petite idée. On va prendre ça. On va prendre des fleurs. Non, des fleurs, on va prendre des petites. Enfin, on va prendre quoi comme fleur. Bon, de toute façon, j'ai une usine à fleurs, on ira chercher. La sugarcane, on prend. On prend quelques melons d'eau, voilà. Et... Un seau d'eau, voilà, c'est ça. Et de la terre qu'il me faudrait ici. Il me faut plus que ça. De la dirt. Et on peut prendre des white tulips. On peut prendre des lilas aussi, voilà. Je prends un peu dans ma tête à quoi ça peut ressembler. Voilà, donc là je crois que c'est bien. Ouais, c'est bien. Des pousses d'arbres, voilà, c'est ça que j'oublie. Des petits pousses comme ceci. On va prendre des os aussi pour les faire pousser. Voilà.
C'est parti, petit. Peut-être que, je sais pas, mais peut-être que cette nuit, quand la nuit sera passée, les jours passent tellement vite. J'ai commencé la vidéo quand le jour se levait. Ah, tiens, là-bas, on voit le truc là, l'anti-éclair, j'appelle ça. Là aussi, il doit en avoir un. Voilà, il est là. Parce que ça brûlait avec les éclairs. Bref, on va faire ici. Moi, je pensais faire un petit étang ici, sachant qu'il faut que... J'avais pensé à un petit pont ici, un petit étang ici qui passe. Et ici, ça sera bien sûr la Batcave que je vous ai déjà dit. Avec une pièce secrète et tout, ça sera plutôt sympa. Je pense faire un passage secret. Vous avez vu, j'ai fait quelques passages secrets sur ma chaîne. Bah écoutez, je pourrais en faire aussi sur ma survie hardcore, pourquoi pas, hein. Donc, voilà, on fera un petit passage secret, comme ça sera sympathique. Donc, voilà. Donc, est-ce que j'ai... Bien sûr que j'ai, voilà. Donc j'ai envie de faire un petit, comment te dire, un petit étang. Bien sûr, ici il y a de la stone parce qu'ici avant c'était ici avant c'était à 5 blocs au-dessus. Donc c'est pour ça que j'ai bien aplati. J'espère que ce timelapse vous avait plu, l'épisode 19 je crois. Je pense, oui, je crois que c'est l'épisode 19. J'espère qu'il vous a plu. Donc voilà, là on fait le petit étang. Ici on pourrait faire une petite cascade. Ce serait plutôt sympa ça. Bon, on va faire ça. Voilà, donc voilà. On fait ça. Un petit étang. Donc j'ai jamais fait ça. On fait tout de l'improvisation. Je fais tout le temps de l'improvisation, c'est un truc de fou. Donc je sais pas ce que ça va donner d'avance. Donc j'espère que ça va aller bien. Voilà. Là, on va faire un petit passage comme ceci. Pardon. Voilà. Oh, j'aurais pas dû prendre de la dirt en fait, parce que j'en ai déjà full ici. Voilà, on va faire ça, c'est déjà suffisant. Et voilà, on va creuser maintenant. On va... Est-ce que ça va là? Ouais, ça va. On fera genre une petite cascade là, vous voyez. Ouais. Et là, ici, on va mettre... on va manger. Et on va creuser pour faire un peu de... Voilà quoi. Tac. C'est bon. Alors. Bon, ça sera un petit peu de terraformage, je l'avoue, pour faire le petit étang. Mais voilà. On pourrait même faire, j'y pense, une petite cabane. Voyez-vous, une petite cabane. Ou une petite cabane du pêcheur, tout simplement. Voilà, ça serait sympathique de faire ça, ouais. Quand j'y pense, ça serait plutôt cool. Une petite cabane du pêcheur, vous voyez, qu'on aura besoin de poissons. Bah écoutez, on ira tout simplement dans notre future cabane du pêcheur. Et on ira pêcher du poisson. D'ailleurs, il y a un achievement, voilà, où tu dois cuire un poisson dans le four. Ouais, ok. Donc ça c'est normal que ça fasse ça. C'est comment te dire, c'est sur ma souris, un petit speed, on appelle ça. C'est pour que ton personnage il bouge. Rien qu'avec un clic. Ah, ça marche pas, ok. Bref, vous en foutez, ça je le sais. Mais bah les couilles, ok. Putain, j'ai trop de stuff. Écoutez, j'ai trop de stuff, oui. Voilà, je vais un peu... Non, je vais pas les mettre. Je vais d'abord faire ça. Et il commence déjà à faire nuit, putain que ça se passe tellement vite. C'est un truc de fou. Il commence déjà à faire nuit, c'est un truc de fou. Par contre, un point positif sur ce monde. Bien sûr, n'oubliez pas le site de ma map, pour ceux qui voudraient rejouer sur la même map que la mienne, est dans la description. Mais le site de la map, donc c'est ici, il ne pleut pas. C'est un truc de fou. Il a déjà plu, vous voyez, mais c'est très très rare quand il pleut sur cette map, c'est un truc de fou. En tout cas, je m'en plains pas. C'est sympathique, voilà. Donc voilà, on pourrait mettre du sable en fait quand j'y pense ici, à la place de la terre. Ouais. Sauf que le sable, il faut aller le chercher dans un désert. Un désert qui se trouve à plus de 5000 blocs d'ici. Qu'il faut passer par le Nether et tout. J'ai pas envie. Donc on va laisser ça comme ça. Voilà. Ok. Alors, on continue mon petit. Voilà. Voilà, voilà, il fait déjà lit. Allez, allez. Génial.
Tac, tac, tac. Voilà, ici on va, j'ai envie de faire un petit pont, vous voyez, un petit pont, mais vraiment basique, basique. Vas-y, on va un peu continuer sous la nuit un tout petit peu. Voyez, voyez, voyez. Voilà, comme ça fait... Quand même, j'ai un peu éclairé là-bas, vous voyez, parce qu'avant, il y avait plein de mobs qui spawnaient et qui venaient me faire chier là, dans la gueule. Et donc voilà, donc j'ai pas mal éclairé la zone, comme vous pouvez voir, et c'est assez rare. C'est... Ah si, 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 oh putain, je vais vous expliquer ça. Hors caméra, il y a un creeper qui a spawné là-dessus. Il a failli péter mon œuf du dragon. Putain, bordel de merde, heureusement, je l'ai buté avant, c'est écoutez... Et quand même, mon œuf de dragon, quoi, si je le perds, il n'y en a pas deux quand même. Hein. Surtout qu'on n'est pas en 1.9, donc. Donc voilà. Ok. Alors. On continue ceci. Ok. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Je disais que. Je pense à ça. Si vous voulez encore me proposer des défis, je les retiens tous, je lis tous vos commentaires aussi. Hein, si vous savez pas, je lis tous vos commentaires. Quand vous postez un commentaire, je le lis. Donc si vous voulez me dire quelque chose bah, sur la série, bah, dites-moi quelque chose. Bah, voilà. Et dites-moi justement des défis, des choses. Je sais, pour ceux qui m'en donnent, je les écris. Hein, par contre, il y en a un que j'ai bien aimé, c'est... C'est quelqu'un, j'aurais pu dire ton pseudo, désolé, mais il m'avait demandé de faire, pour la série, une pyramide en laine, je crois, ouais, c'était ça. Alors j'avais pensé de déménager, de faire, pas faire une usine à laine, mais comment te dire, de déplacer tous ces moutons ou alors tous les tuer et faire une énorme pyramide ici avec de la laine. Ouais, ça, j'ai pensé à ça, ça devrait être plutôt cool. Et je pense qu'on va faire ça. Pas tout de suite, vous voyez. Mais voilà, on m'a aussi demandé de faire mon skin. Voilà, mon skin Minecraft en laine. Mais justement, il me faudrait beaucoup de laine. Même pour faire la pyramide, il faudrait de la laine. Donc c'est pour ça que je peux pas faire ça maintenant. Mais on va le faire peut-être. Voilà. Plus tard, voilà, plus tard. Ok. Là, on va prendre nos solo. On a fait un peu notre petit lac. Mais non, on a rien fait. Il faut faire ça aussi, ici. Mais oui. Il faut creuser ici aussi. Voilà. Tac, 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 tac. Eh ouais. C'est plutôt chiant, exactement. Ben bref, il faut quand même faire ça. Parce que si on fait pas ça, ben ça devra être... Ça va être les... Voilà, tout simplement, je sais parler. Donc faut bien faire ça un jour. Donc voilà, on fait ça, on casse le truc et on va faire un petit étang, voilà. Peut-être que ça va durer tout l'épisode, je ne sais pas du tout. Mais voilà, c'est ce que je disais. Parce que je disais que j'allais faire un peu moins d'hors caméra sur la série. Parce que j'en faisais quand même pas mal. Hein. J'en avais fait J'ai fait pas mal d'hors caméra. Hein. Rien que pour la maison aussi, la maison là, j'ai fait pas mal d'hors caméra. Et c'est pour ça que j'aimerais bien moins en faire et faire ça en vidéo. Genre ce truc là, j'aurais pu faire en hors caméra et vous dire, regardez, j'ai fait un étang, est-ce que ce qu'il vous plaît, voilà. Mais voilà, j'ai dit, allez, on va faire, je vais faire moins d'hors caméra, comme je le dis tout le temps. Et voilà, tout simplement. Donc j'espère que ça vous plaira. Comme ça, voilà, tout simplement. Et voilà. Alors, ça c'est fait. Voilà. Et là, on va pouvoir mettre notre eau avec des sources infinies. J'ai le seul souci avec mon texture pack, on voit pas bien l'eau. Enfin, les sources d'eau qui coulent. Ça me gratte le dos, tu sais. Voilà. Alors, est-ce que ça va d'aller ici? Donc je mets de l'eau ici parce que vous me demandez mais pourquoi j'en fiche, n'en mets pas là parce que c'est pour faire des sources infinies, vous allez voir en fait. Vous allez comprendre après si vous comprenez pas.
C'est pour faire des sources infinies. C'est plus facile. Voilà. Avec les shaders, ça rend quand même bien l'eau. Ah ouais. Moi, j'ai un texture pack que j'ai modifié moi-même. Vous pouvez peut-être le remarquer, mais en fait, l'eau de Minecraft, en fait, je déteste l'eau de Minecraft de base. Elle est bleue, bleu ciel. Non, bleu ciel, j'abuse. Bon. Elle est vraiment bleue, mais très, très claire. C'est pas une vraie eau, vous voyez. Tu sors de chez toi, tu vas près d'un lac. Tu vois que ton eau, elle est grise, quoi. C'est un peu comme celle-ci, quoi. Bon, là, il y a les shaders, mais bon, bref. Donc, voilà, ça, c'est fait. Voilà, et on refait. Pourquoi il y a un trou? Un bug. On refait la même chose au-dessus, comme ceci. Voilà. Comme ceci. Voilà, 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 voilà. Voilà, et ça, ça fait des sources infinies. Et regardez, mon lac va petit à petit se remplir. Comme ceci. Enfin, mon lac, mon petit étang. Par contre, il y a un problème en 1.8 que je ne comprends pas. C'est que l'herbe peut pousser sous l'eau. Et ça, il n'y avait pas. Regardez ça. Cette herbe, si je laisse comme ça, elle va se propager là. Et je comprends pas. C'est bizarre. C'est extrêmement bizarre. Je sais pas pourquoi ils ont fait. Il y a ça. Mais bref. L'herbe peut pousser sous l'eau. C'est bizarre. Bref. C'est bon. Là, le lac, vous voyez. Je regarde s'il n'y a pas des sources, enfin des courants qui devraient pas être là. Et c'est bon. Voilà. Tac. Ici. Voilà. 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 Bon, on va en finir là ou pas? Ça commence à être long. Juste pour un petit étang. Voilà, c'est fait. Voilà, nickel. Nickel. Ok, voilà, donc on a fait un petit étang. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est aller dormir. Parce que, bon, il va déjà finir d'être nuit, bien sûr. Il va finir d'être nuit. Et, on va quand même aller dormir. Allez, quand même. A new version Optifine version available. Ok, ben j'ai. Ok, j'ouvrais la porte, elle était pas ouverte. J'ai pas envie d'installer ta nouvelle version parce que je n'ai pas envie de. Parce que j'ai une bonne version et voilà. J'ai pas envie de vous mettre une nouvelle version d'Optifine puisque ça me sert à rien. Bref, oh putain, le doué. Je devais poser quelque chose et je ne le pose pas. D'ailleurs, ici, il faudrait que je change un peu parce que. Écoutez, c'est le premier abri qu'on a fait. C'est quand même un peu du caca. Hein. Voilà. Voilà. Good. Perfect. Ok. Alors, ce qu'on va faire maintenant avec cet étang, c'est tout simplement, on va faire un petit pompe que je n'ai pas. Putain, j'ai pas pris du bois. Hé, Jean-Fils, s'il te plaît. Tant pis. Est-ce qu'on peut poser ça sous l'eau? Allez, j'allais me dire, on peut poser ça sous l'eau pour faire des algues. Mais non, c'est pas possible. Alors pourquoi j'ai pris du Dark Oak? Parce que le Dark Oak, si je le mets comme ça, bah, il poussera jamais. Ok? Le Dark Oak, il faut que je le mette comme ça pour qu'il pousse. Mais on va pas le mettre comme ça. Et voilà, ça sera un petit élément de décoration. Si vous voulez un petit arbuste, vous décorez votre moon Minecraft, voilà, tout simplement. Putain, je suis désolé, mais il y a cette couillonnade là qui m'énerve. Ça m'énerve. J'espère que ça vous. J'espère à tout prix que ça vous ne dérange pas. Regardez ça, c'est quoi ça? En vrai, il faudrait que je me mette comme ça. Mais là, c'est pas bien. Bref. Alors, si je me mets comme ça. Non, ça ne va pas. Tant pis. Il y aura cette ligne verte tout le temps. Ok. Donc voilà, ça c'est pour faire une petite, je sais pas quoi, une petite fleur. Allez, une petite fleur. Et ça ne poussera jamais. Donc c'est pour vous dire. Voilà, c'est un petit élément de décoration. Oh, c'est sympathique. Et puis je commence à avoir des lags. Je commence à avoir des petits lags. C'est un petit chien, un petit peu chiant. Donc voilà, on peut faire ça comme ça. Et oh, j'aimerais bien vous montrer aussi une petite astuce. Donc ça va être décoration aujourd'hui, hein, décoration. Une petite astuce avec les cannes à sucre.
Ce qu'on va prendre, c'est un petit string. String. Un petit string. Pas du tout. Oh, putain, qu'est-ce que j'ai foutu? Ok, je suis sorti de mon jeu. Bravo. Ah, j'aimerais bien aussi que vous me dites dans les commentaires un nom. Un nom pour un petit chien. Ouais, un petit chien. Genre, on va prendre celui-là. Comment on va l'appeler, ce petit chien? C'est à vous de décider. C'est pas à moi. Hein. C'est quand même... voilà, c'est à vous de décider le nom du chien qu'on va appeler. Donc, si vous avez un nom pour un chien, un nom de chien que vous voulez appeler, voilà. Donc, dites-moi. Genre, celui-là, il va s'appeler Forest. Je sais pas. Un exemple. Hein. Oh, merde. Ici, il manque. Voilà. Voilà, alors un truc que je voulais montrer, voilà, quand vous mettez de la canne à sucre sur un bord du dos, voilà, si pour éviter, parce que elle va pousser à un moment donné, elle va faire ça. Et ben, si vous voulez qu'elle reste par exemple à cette hauteur là, il vous suffit juste d'avoir un string et de le mettre comme ça. Bon, là ça se voit, mais vous voyez de loin ça se voit pas quoi. Mais surtout que là j'ai léché l'heure, donc ça c'est normal que ça se voit. Mais normalement ça se voit pas autant, mais voilà, c'est pour une petite astuce. Si vous voulez avoir comment te dire, des cannes à sucre par exemple comme ça, voilà, eh ben c'est possible. Et là, ta canne à sucre ne poussera jamais. Voilà, donc on va en mettre une ici avec deux, comme ça. Voilà, on peut en mettre une pour de la canne à sucre. Voilà quoi. J'ai déjà vu de la vraie canne à sucre, moi, quand je suis parti en Sri Lanka ou en Indonésie, je ne sais plus. Ouais, ça doit être un de ces pays-là. J'avais été dans une forêt un peu amazonienne où t'avais tous des animaux et tout, en liberté, des singes. Je me souviens, ça, t'avais des singes qui venaient bouffer ta bouffe, c'était trop cool, c'était trop marrant. Et voilà, oh, on peut prendre des melons ici. Avec les melons, là, on va en mettre un peu comme ça, voilà. Pour décorer, voilà, des melons d'eau. Oui, parce que ça c'est un melon d'eau. Il y a une différence entre pastèque et melon d'eau, je crois. Je sais plus. Je ne sais pas du tout. Bref. Voilà. Faut pas en mettre trop, sinon ça va être trop chargé. On va mettre un là et c'est bon. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est un petit arbre. Voilà. Un petit arbre avec des hooks. Ouais, ça va. Sauf que ça, on va péter ça pour que ça soit un peu une belle forme. Voilà. Voilà. Voici un arbre custom. Je sais pas du tout. Ouais, voilà. Donc on va en mettre plusieurs. J'aimerais bien mettre quand même ici un grand arbre. Pas devant l'eau, mais ici. Allez. Alors comment on fait un grand arbre? Si je me souviens bien, hein, je sais plus du tout. Je crois qu'il faut faire ça tout simplement. Et hashtag pas du tout. Lol, c'était pas ça du tout. Je sais plus comment il faut faire en fait. Pour faire un grand arbre. J'aurais cru que c'était ça, mais non, pas du tout. Pas du tout, monsieur. Ok, on va casser ces feuilles. On va casser ces feuilles. Merde. Une petite pomme. Minecraft est quand même bizarre, hein, tu vois. C'est même pas un pommier et il donne des pommes. C'est juste abusé. Une, deux, trois, quatre. Là, normalement, ça devrait aller, non? Pas du tout. Ok. Je crois savoir c'est quoi le problème. Je crois. Je crois qu'il faut juste faire ça comme ça. Et mettre notre pouce ainsi. On casse au-dessus. Et là.
c'est que ça? Ouais, mais avec l'autre arbre, ça fait pas ça. Oh, bref, tant pis. C'est pas l'arbre. Moi, je voulais un arbre comme celui là-bas, vous voyez? Un gros bon arbre, tu vois? Mais il veut pas. Il veut pas. Ok. Bon. On va faire ça avec la hache parce que, comme ça, on va faire un petit arbre custom avec ce qu'on a ici. Voilà. Putain, t'es sérieux? Merde. Ça comme ça. Alors comment il est cet arbre? Oh, ça va, ça va. C'est un petit arbre un peu custom. Mais ça va. Voilà, ouais, c'est bien comme ça. Et là, on aura un petit pont qu'on peut faire maintenant. Écoutez, on va faire le petit, on va faire le petit pont. On va faire avec du bois. Oh, putain, j'avais du bois sur moi. Hein. Je suis stupide. Exactement. Bon, comme je suis ici, on va prendre de quoi? Je sais pas. Bah écoutez, on va juste prendre deux escaliers. J'ai juste une petite idée. J'ai juste une petite idée. Regardez ce que je vais faire. Je vais juste faire ça. Tac. Tac. Et... voici mon pont. Ouais, ouais, mec. Voilà, voilà, oui, oui. Bah oui. Quand, bah, tu sais, c'est comme ça. Hein. Tu crois vraiment que dans la vie réelle, quand t'as 1, 2, 3, 4 mètres de largeur d'eau, tu crois vraiment qu'ils vont te mettre un pont maléfique? Non, mec. Ils vont juste te mettre un truc comme ça, mec. Une bûche, mec. Eh ben ouais. Eh ben ouais, voilà, ça sera ça. Ah, par contre, il faudrait juste le bouger là pour que ça soit en face. Eh ouais, on va faire ça. Il faut le bouger un peu. Il faut le bouger un peu pour que ça soit en face de mon comment te dire, de mon futur Batcave, de ma future Batcave. Voilà, comme ça on aura un petit passage secret, je ne sais pas où. Voilà. Ah, on peut mettre aussi bien sûr de la petite végétation, ouais, mais bien sûr. Voilà, petite végétation. On pourrait mettre un autre arbre ici. Je vais aller chercher de la bonne mille. De la bonne mille. Tu vois, de la bonne là. De la bonne. Oui, j'en ai beaucoup. Voilà. Bon, on va pas tarder pour cette. Parce que cet épisode va bientôt terminer. Voilà. Va bientôt se terminer. Bon, tu te pousses toi. Voilà, merci. Voilà. On casse ça. Je veux que ça soit bien, moi. Tu vois que je veux que ça soit bien fait. Donc. Voilà. On fait à chaque fois des arbres différents. Ça, on va enlever parce que ça, c'est pas bien là. Voilà, comme ça, il est bien. On va mettre un petit dark ici, un petit dark là. On va mettre un peu de végétation ici. Voilà, là-bas aussi, on va un peu en mettre. Voilà. Et on va aller dormir, on va aller dormir, on va aller dormir. On va aller dormir. Pareil pour les chevaux. Les chevaux, dites-moi un prénom. Un nom que vous voudriez voir sur un cheval. On en a 4. Écoutez, et pourquoi pas, dites-moi un nom pour chaque cheval. Ce serait sympa parce que j'ai quand même des name tags, je crois. 7 name tags, voilà. Donc on pourra. On peut les renommer, voilà. Qu'est-ce que je disais. Voilà. Et on va continuer ça. Donc ça commence à avoir un peu de la gueule. C'est un peu ce que je pensais avoir dans ma tête. Donc c'est plutôt good.
il nous reste des petits lilacs comme ceci. On peut en mettre un comme ça. On va pas un peu, on va pas trop en mettre, vous voyez, pour pas que ça soit un peu trop chargé, vous voyez. Un petit là. Voilà, un petit là. Comme ça. Voilà. Bon, ici. Et là, voilà, ça c'est bien. Il y a quoi? Des petites white tulips. J'aime pas ces fleurs-là. Moi, je veux... Je préfère le blanc que le jaune. On va enlever les fleurs jaunes et les fleurs rouges parce que je les aime pas, ces fleurs. Je sais pas pourquoi. Il y a des nouvelles fleurs qui sont apparues dans Minecraft. Alors, il faut les utiliser. Avant... Je sais plus de quelle version ça vient, les fleurs. Je crois que ça vient de la... Ouais, ça vient de la 1.7, je crois. Et avant, on n'utilisait que des fleurs comme ça. Mais on n'est plus en 1.7. Voilà. Donc, on va mettre un petit melon d'eau ici. Et... Il me reste quoi? Une oxydée ici. Oh. Voilà. Voilà. On pourrait mettre aussi... comment te dire? Je peux pas poser de bloc. Voilà, merci. Des petites pierres comme ça. Des petites pierres. Ouais, c'est plutôt bien ça. Des petites pierres. Une ici. Voilà, comme ça. Voilà, on a fait notre petit truc. Bon, voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Donc ça, vous voyez, ça, c'est plus comme avant, c'est plus plat comme avant. Donc voilà, je suis plutôt content de ça. En plus, on a fait ça ensemble dans un épisode. Donc ça, c'est plutôt cool, voyez-vous. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode, l'épisode 21. Donc dans cet épisode, on aura fait ce petit, voyez, regardez, l'herbe a poussé sous l'eau. C'est un truc de fou. Je sais pas comment on fait ça, mais bref, c'est plutôt chiant. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires un petit défi. Aussi, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode, bien sûr, dans les commentaires. Alors, un petit défi ici, parce que, voilà, un petit défi, ça serait sympathique. Des petites idées de construction à faire. Voilà tout. N'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Pourquoi pas vous abonner si c'est pas déjà fait. Va te follow à ma page Twitter si c'est pas déjà fait. Tout ça dans la description. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et pour ma part, on se dit à la prochaine. Tchuss.